Plop à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Dead Island Riptide, donc l'épisode numéro 2. Le premier étant un épisode phénoménalement fail, hein, parce que j'ai dû recommencer 3 fois, ça n'a rien qu'à marcher. Et je crois que j'ai même fini par poster la vidéo sans le son, parce que la voix ne s'est pas encore pas enregistrée. Enfin, encore un truc qui a très très bien marché. Donc l'épisode numéro 2 ne pourrait être que mieux, hein, surtout après un mois, deux mois. C'est moi qui a fallu que je le fasse. Bon, si mes souvenirs sont bons, on était sur un bateau, on s'est fait moitié kidnappé par des espèces de militaires. Et au final, on a atterri dans un petit campement. Prendre ce qui m'embête un peu, c'est que je me rappelle plus du tout tout ce qui est touché, etc. C'est un peu plus casse-pieds, ça vendre. Bon, je pense que ça devrait me revenir assez vite, mais bon. Mieux quand même quand on sait où on met les pieds et sur quelle touche appuyer. Excusez-moi. Alors. Où en étions-nous? Retour à l'arrêté, parler à Trevor. Mission, pistolet de détresse, mission, je sais pas quoi. Hop. On va quand même faire le petit tour vite fait quand même de tout un peu. Ma vie est à fond, je crois. Oui, ma vie. On est tout bouffé. On tape. Là, c'est pour le lancer. Préparer, améliorer. Ah putain, j'ai strictement aucune idée. Couteau. Ouais, faut que je m'en mets dedans parce que je me rappelle plus du tout du coup comment ça joue, les trucs du jeu et tout. Le couteau précaire est mon truc le plus important, donc je vais le réparer tout de suite. Et je pense que couteau fait maison énorme. Qu'est-ce que c'est que ça? Couteau fait maison énorme. Je sais pas pourquoi je dis couteau précaire. Couteau fait énorme. C'est pour l'instant mon arme la plus puissante, donc je vais pas l'améliorer parce que c'est qu'un couteau. Chair de noyer, d'accord. Si tu veux. Ouais, j'ai fouillé un peu parce que du coup je suis arrivé, j'ai fait juste le. J'ai déblayé le terrain, on va dire. C'est tout. Et j'ai pas du tout visité, je sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse. Est-ce qu'on est en sécurité? Oui, voilà, on va repousser, oui, pour combien de temps? C'est moi qui fais les clac-clac-clac là? Putain, c'est pénible ça par contre. D'accord, et où est ma vie? La bonne bouffée, bon, je pense que après ça, c'est le genre de choses qui devrait repopper par la suite. Seulement, j'ai strictement aucune idée. 73$, ça je prends. Ah non, ça prend le son quoi. Tac 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 tac, là c'est hyper pénible. J'ai tout pris. De toute façon, en général, je prends tout et après je revends, je refourgue et puis maintenant je jette. Quand j'ai plus de place, ça c'est pas trop grave. Au pire, vaut mieux prendre et jeter par la suite que laisser et après ne pas pouvoir revendre. Le bas, je crois qu'on a fait le tour. I wasn't even supposed to be here. Pourtant c'est ici, la personne est censée être ici. Torchon. Là c'est une suite où on a entouré le dos par contre. C'est jamais top ça la flotte. Est-ce qu'on peut rentrer là? Non. That was close. Je vais monter. Je vais faire le tour. Ah merde. Allez! I wasn't even supposed to be here. Oui mais personne n'était censé être ici, on a compris. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah. Qu'est-ce qu'il y a là? 102$. Je suis toujours étonné par la proportion des gens à laisser de l'argent traîner dans les coins improbables. Ah, il y a encore un truc là. Ok, c'est quoi ça? Une pomme? Je peux vous donner une vie. C'est tout? Ah, là, on peut aller en haut, je crois. Là. Par là-bas. Je n'ai aucune idée de par où on doit monter. Comment on doit monter pour moi?
Traverser ça, arriver là-bas, ouais, on verra plus tard. Donc ça, on a vu. Ça, c'est la personne avec qui je dois parler. Ah voilà. Les quêtes. Voilà. Principal, terminé. Terminé. Donc ça, c'est principal. Retour à la réalité, d'accord, super. Parler à Trevor, ok. Inventaire. Compétences. Point disponible 0. Ok, ok. D'accord, donc ça c'est pour ça que j'ai pas grand chose à faire. Là c'est quoi là? Espèce de roue dentée là. Je suis en train de faire le tour en plus. Ça va être une personne. Si je lui parle, elle va me donner quelque chose. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait ça là-haut et tout. La vache. Ouais, donc ça c'est peut-être pour monter ça. Il va y avoir quelque chose à l'intérieur là. Là-dedans, il faut monter. Pour monter, il faut aller tout là-bas et tout, donc ça on s'en fout, ça derrière c'est un truc, là-bas c'est un véhicule, là je dois pouvoir vendre des choses, voilà. Griffe sauvage formidable, vache. Sable, ok, couteau tranchant rédhibitoire, gna. Je dois me séparer de quelques trucs, moi. Alors, on va les classer. Est-ce qu'ils sont classés par quoi, par exemple? Voilà, genre ça, planche à clous. Bah, des bateaux précaires, tac, tac, tac. Donc, ça aussi, c'est un truc les plus bas que j'ai. Américain, c'est trop près ça. Couteau, voilà, pied de biche, jeu de baseball, j'en ai deux, je vais en jeter une. On danser, ok. Kit de secours, ça je garde. Tout ce qui est modification, ça je garde parce que ça c'est quasiment illimité. Mission de pistolet de détresse, ça je garde, on sait jamais. Acheter, arme de lancer. Mauvais couteau de lancer, super. Qu'est-ce que je fais? Un mauvais couteau de lancer, s'il te plaît. Consommable. Voilà. Rien de bien fabuleux. Allez hop, on va lui parler. Oh, Jesus! I thought we were goners. Where the hell did you come from? De partout, d'une part à la fois. We were on a ship, but that isn't important. That bridge is putting us all at risk. We need to do something about it. You're not telling me anything I don't know. The bridge is our bloody weak spot. We've got some fences. Maybe securing the other entrances will slow them down. But I need you to put them up. Can you lend a hand? Bah tiens. Récompense cloueuse. Oh bah écoute, let's go. Absolutely. I appreciate it. Grab the rolled fences and put them up in the designated spots. Ok, ok. Alors. Hop, barrière, d'accord. Puis sur un pour lancer des objets lourds sur vos ennemis. Qu'est-ce que je suis censé faire là? D'accord. Ok. Merde. C'est d'appuyer sur R2 pour courir, mais non, c'est pas le bon jeu. Là. R2, sauter en puissance. Barrière, hop. Oh, c'est pas violent ça, sans commission. C'est pas trop dur. Enfin, je crois qu'on a compris que t'es passé être ici. Je pense qu'on a saisi le concept. On t'a gentil, mais tu me gênes un peu. Ah merde, faut aller dehors. Allez. Enfin, je vais pas me faire rusher. Ouais. J'ai pas saisi par où il fallait là. Ici, d'accord. Je suis passé trois fois devant, quoi, mais c'est pas grave. Alright, let's put the barricades right there. Donc vous avez besoin de moi pour faire ça, quoi. Logique versus. Enfin, logique de jeu vidéo.
Ah d'accord, c'est pour stockage. Genre on va poser des armes dans plusieurs endroits, donc personne ou objet. On peut le mettre. Here they come. Quoi? J'ai trouvé la barrière. Allez. Quand même sacrément costaud. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, je perds un mort de bord endurance. Allez. Hoping it wouldn't come to that, but they would have overrun us. Now the fences are working, but you were right about the bridge. We need to blow it. It's too dangerous. Take this flare gun and use it to ignite the barrels by the bridge. Let's go. Oh, putain. Allez, allez, allez! Je te pique. Trop vite en endurance, c'est ouf. Non, je vais pas faire ça. Bon, fail.
Bon. Pas évident quand même, hein. Et le fait d'avoir la barre de truc qui baisse très très vite, c'est vraiment pas évident. You blew the damn bridge? Was that really necessary? Oh, thank God you survived. Yeah, now I owe you something, motherfucker. Get up, you son of a bitch. Whoa, I owe you something too. Apparently you've all met. I know what it looks like, but I swear to God, I meant you no harm. That operation was out of my hands. It was Serpo. So who was he? He works for a private concern. His superiors own my superiors, and they're the ones calling the shots. I'm sorry for what they did to you, but there's no way that he What exactly are they doing here, Colonel? The rumor is they're trying to weaponize this plague for use as a bioweapon. Being immune, my guess is your blood is essential for their research. You knew this, yet you did nothing to stop them. I'm a soldier. I follow orders. Well, soldier, here's an order for you. Go fuck yourself. Just listen to me. I can help you. There's a military outpost in Henderson, and I know the commanding officer. They have food, water, weapons, and a way off this bloody island. Last time we trusted the army, they threw us in a cage. Look, I understand how you feel, but we don't have much time here. This island, it's about to be nuked. Gotcha. Nuked? Yeah, we heard that same story on Benoit. Ain't no bombs fell there. You sure about that? This would explain all the air traffic recently. Choppers flying out with equipment crates. That's right. They have to cover up what they've done here. And once they're through evacuating the island... They're dropping a bomb? Listen, I trust this asshole about as far as I can throw him. But if what he's saying is true... We need to get off this goddamn island. Fuck. So, Henderson it is then. If that's the case, then we're all coming with you. All right then. Let's move. Only five of us are immune, so some of us should stay and defend the camp while the rest scout for a way out of here. Good. Let's get to it. All right, Colonel. But if you're lying to us, God help you, because we sure won't. Le classique coup du Ukraine Zeus. Je sais pas comment s'en dépêtrer. Qu'est-ce que tu veux, toi? Le chauveur qui s'est envoyé récupérer l'ancienne équipe personnelle sur les commandes de l'équipe. D'accord, je peux trop bien saisir le concept, mais je te le dis. Vous améliorez les défenses du camp, ok. Là, je vais enfin ma vie, moi déjà. La vie, je suis plein. Hop. Là, votre help, c'est bon, comme t'as joué. Enquête, qu'est-ce qu'on a? Nouveau départ, d'accord, toujours la même chose. Récompense courrier irlandais, donneur de quête Arlo pour les Arlo. Ah, par contre, j'ai pas fait attention à l'équipe. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Le niveau de l'équipe influence l'énergie des membres de l'équipe au combat. Il dépend du nombre de quêtes en équipe réalisées. D'accord, donc on peut lancer une quête pour la personne en fait. Ok. Donc dans le MS, pas une midi, pas midi, ok. D'accord, après il y a des quêtes en fonction des personnages que tu peux faire. D'accord, donc en fait ce sera plus les quêtes secondaires. Et ça la quête principale. Hop, voilà, je vais y arriver. Et ça la quête principale, vraiment pour... What can I do to help? If I can electrify the fences, those damn things will fry when they run into them. But I need a power source. Ah bah ça. Cables and batteries should do it. Will you bring me some? T'es mignonne, toi, je trouve ça où, hein? Sure. The cables are in a shack not far from here, and the batteries are at a camping site. Ouais. Ouais, je peux avoir Everyone seems to think she knows a way around the island. I wasn't even supposed to be here. Ça, je pense que j'ai essayé le concept. Attends.
je vais voir quand même ce qu'il, de quoi il me parle là, parce que suivre quête, suivre quête, d'accord, détail, il y a plus qu'à besoin. C'est quoi ça? Trouver 5 accumulateurs, d'accord, faut traverser tout là. Oh fuck. Ah, GG. Je crois que ça par là, c'est pas trop, trop grave. Bon, bon, bon. D'accord, donc là, il y en a un déjà. Là aussi. Il faut que je passe par là absolument. Ok! Tout de suite, toi déjà. Voilà, au plus simple, ça reste encore des coups à faire avec un boutier et leur mettre un bon coup de chaud dans la tronche. Ça, c'est le meilleur moyen de les tuer rapidement et sans consommer trop d'énergie. En tout cas, là, qui bouge pas, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont morts. Le coup de pic 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 pic, ça me fera toujours rigoler quoi. 233$, c'est bon ça, c'est quoi ça? Guide de l'île. Ok, chouette. Coucou. Tchao 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 tchao. Batterie, tiens, bim. Il fallait 10, non? Je vais prendre la tuture. Peut-être qu'il y a des vieux bruits là-bas, quoi. J'ai oublié de leur rouler dessus au passage. Directement dans la bonne direction. Bon, quand j'ai besoin de me sauver, faut pas trop trop chier. Ouais, par contre là ça va être chaud, chaud, chaud time, parce qu'il y a masse de monde. Et tu vas te calmer tout de suite, toi. Le mec m'a agressé, quoi. Oh, je t'ai pas vu, toi. Il y a quand même pas mal de monde. Là-dedans en fait. Non, putain. J'ai eu peur parce que des fois quand t'as l'alcool ça te ramène un peu de vie, mais des fois ça te fait flancher aussi. Batterie de voiture, nice. Bon, j'ai tout plus qu'une idée de savoir combien il m'en fallait. Ça vite fait dans le truc de quête. Trouver 5 accumulateurs, d'accord. Il faut 5 batteries. J'en ai une. Grande batterie. Ouais, mais ça prend ça des batteries pour mes armes à moi, ça.
parce qu'il n'y a pas que les zombies normaux pète couilles quoi. Il y a aussi parfois des gros zombies. Pas plus pète couilles. Batterie LP4000. Encore une batterie. Et une batterie de voiture. Super. En deux. Tout ce qui est batterie que j'ai ramassé, petite batterie, grande batterie, batterie LP4000, tout ça. Ça sera des batteries à utiliser avec. Avec des armes pour faire les armes électriques par exemple. Ou une arme circulaire, enfin voilà. Chose qui n'a rien à voir avec. À ce que je cherche en ce moment. 610. Je crois pas. Toi, tout par terre. Toujours mettre un petit coup de pied. La base de la survie, quoi. Il y a plein de bouffe, il y a des concerts, il y a un peu de tout aussi. Ah, c'est bon ça. Il hurle quand un fou, il me fait flipper à chaque fois qu'il hurle. Cette espèce de putain de sauvage. L'unique, c'est quand je vais me retourner qu'il va me sauter dessus. Tu vois l'affaire avec une personne. Honnêtement, à qui pensais-tu la faire? Hop, je trouve la dernière batterie. Je me casse. Ah, il mange. Alright, I've got it. Allez. Ok, I have all I need. J'ai besoin, on peut se barrer. Putain. Allez, go, 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 go. Tiens, pas de lui, de côté. Les gars sont dit. Wow, wow, wow. Désolé, j'ai pas tant de jeu avec vous. On voudrait pas, j'espère. Yeah. T'as des jumps et tout. Ouais, je suis un peu coursé là, donc t'es gentil, mais je vais la foutre. Bonjour, bonjour. C'est pour toi qui voulais tes batteries à la con, je sais pas quoi. Bien ça, non? Trouver deux câbles électriques. Ah merde, j'ai pas trouvé les câbles électriques. Attends, qu'est-ce qu'il me disait? Ouais, mais j'y vais comment? C'est un peu chiant, c'est que le 3/4 du temps il te donne pas réellement de. Non! Pas vraiment de chemin tout tracé en fait, à part les quêtes spécifiques vraiment.
t'as un chemin à suivre. Sinon, ton normal, ils te disent rien. Toi, t'es démerdé. Voilà, ça se passe bien. Tiens, hop, ton dehors dans le cul. Reste de monde, voilà. Boom, headshot. Hop, j'ai plus de l'argent. Après. Pas mal de monde, ça craint un petit peu. Ouais, trop de monde. Je passe par là, je peux contourner. Mes couilles. Qu'est-ce que je fais? Je vois pas un truc là. Un petit cocktail molotov. Pour finir celui-là. Oh, pépère. Tu ne lâches rien, toi. Et mon cochon. T'as pas vu mourir ou quoi? D'accord, faut que je rentre là-dedans. C'est là-dedans qu'on entend le machin hurler. Hein. Ok, donc t'as lui. T'as eu sur la gauche déjà. Même pas, non, c'est tout là-bas. Ah, pour moi, je peux venir entrer. Oh, combien de paris que les cadavres qui flottent, ils m'ont sauté dessus quand j'ai passé à côté. Vous voyez ce que je disais? Non mais ça je suis... J'ai le flair pour ça. Bon. Après on peut pas courir dans l'eau. Ça c'est balou ça, parce que c'est on se fait un peu agresser un peu trop. Ça va devenir compliqué. Putain, il est super lent son machin. Qu'est-ce que c'est que ça? Problème. Ah pardon, j'ai pas vu. Ok. Coucou. Allez, regarde d'en haut, il regarde un peu de toi. Ça changera. Pas partir comme ça à Katmandou. Hein. Jamais trop où on va atterrir, on sait jamais trop ce qu'on va faire.
fait. Voilà, tiens, tu sens bien fini. C'est joli hein, quand même la végétation luxuriante, tout ça c'est vraiment sympa. Bon, l'ambiance, voilà quoi, c'est lourd quoi, c'est pesant hein. Tu sens que quand tu vas vite, ça se floute, l'écran se floute pour donner un effet justement un peu de un effet comme ça. 95 mètres. Pareil, on voit pas trop où on va là. Petit alien. Pas trop si quand on monte on va se faire attaquer. Peut-être se met bien toujours bien là où il faut pas. Un camp. Dit camp, dit. Voilà. Du bruit chelou. Rien dans les tentes, par contre ils sont quand même pas agressés parce qu'il n'y a plus de. Il n'y a plus personne, c'est ok. Mais par contre, c'est ouais, les tentes sont déchirées, tout ça. Un morceau sur un skin fait exprès. Donc apparemment, faut passer par là. Hop. Et la tête, putain, ça m'agace hein, de pas voir ce qu'il y a en face. Je sais pas quand tu vas trop la tête si tu vas te faire agresser ou quoi qu'est-ce. Et si, qu'est-ce qu'il y a? Personne, apparemment. Je suis presque. Hop. Putain, le chemin du retour, je vous raconte pas quoi. Parce qu'y aller, c'est une bonne chose. Après, faut pas oublier qu'il faut revenir. Allez, un petit zombie amphibie. Comment si on peut esquiver celui-là? Personnellement, je peux me gêner. Donc qu'est-ce qu'il y a? Je vois pas. Petite musique bien pesante là, bien sympa. Son truc qui pue à 25 mètres. Ils me disent de passer par là. Je ne sais pas pourquoi. Mais que le truc est là-bas. Oui, évite de faire tes commentaires de balles, surtout je comprends rien. Pauvre mon cochon. Toujours. Toi t'es là. Personne à l'horizon. Ça c'est plus ou moins bien. D'accord, carrément, un mec comme ça toi. On va galoper sans raison. T'es mort déjà. Putain, encore du monde là-bas. Gueule pas quand il y a 550 milliards de zombies à côté de toi. T'es mignonne mais non. Je me
plus vite les coups sur lui dans le genre. Pour rentrer pas. Ouais, tu m'as capté. Coucou. Ta gueule. Coucher cette bête. Il a pas cassé les couilles, celui-là, non, mais oh. Putain, je l'ai pas vu, lui. Ah putain, mon pied. Ça, c'est le genre de bestiole qu'il vaut mieux attaquer de loin. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas encore pour l'instant, pour le moment, de. Équipement assez puissant pour pouvoir. J'ai pas de pistolet, j'ai rien quoi, je peux pas attaquer de loin et sans non plus amuser de ramener tout le quartier. Bon, sérieux, je suis censé ouvrir comment les portes là? Je suis censé rentrer comment là-dedans moi? Comme ça? Ok, d'accord, c'est une éventualité. J'ai pas fait attention, mais quand je suis de loin, j'ai un petit icône avec un petit carré qui apparaît. Je n'ai strictement aucune idée de qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'il faut faire. Hop, il en faut deux, c'est ça, je crois. J'en profite pour réparer mes trucs, moi. On remarque les couteaux machins comme ça, fait maison, là, j'en ai trois, je crois. Ouais, voilà. Donc, celui, une fois qu'il sera cassé. Je prendrai les deux autres. Ça, c'est pas trop grave. Qu'est-ce qu'on a après? Ah, je vais réparer la petite biche parce que, par contre, lui, c'est une deuxième arme plus puissante, mais surtout en attaque de loin. Éviter de rentrer aussi vite dans une maison. Ça, je trouve ce qu'il y a derrière. Zombie qui parle, tu m'expliqueras quand même. Oh putain, c'est les machins qui explosent ça. Ça, c'est les machins qui explosent. Super gaffe parce que c'est les chemicals, ils vous rush dessus, ils boum, ils vous pètent à la gueule. Let's open this up. Le genre de bestioles qu'il vaut mieux pas rencontrer. Il vaut mieux faire être prudent avec ces bestioles là parce que autant les régler leur zombie normal, bon. Si on n'a pas de. Enfin, si on n'a pas de dégâts. I'm with a group of survivors and we're on foot, heading into the Highlands. Paul was so feverish he was out of his head. C'est comme s'il ne savait pas qui c'était. Il m'a une bande son, sauf que le problème c'est que je. Enfin, il n'y a pas de traduction donc ça va être compliqué de. Option. Si pourtant les sous-titres sont activés. Ok. Et il a essayé de me bite. Je suis allé pour aide, mais. Oh, it
It was insane. People were screaming and fighting and crying, and this little boy, he couldn't have been more than 10, leaped on me. Quête intercompétence. Non. Objet de quête. Ça, d'accord. Collection, d'accord. Ça, après, ça serait machin. On pourrait les écouter un peu plus tard. Ouais, ce qu'on fera, c'est qu'on rentre, on les écoute, et après, je pense qu'on arrêtera là-dessus. Il est en train de me battre. J'ai poussé lui et un homme, un grown homme, a chopé son tête avec un machete. Oh my god! Qu'est-ce qui se passe ici? Certains ont dit que les gens qui ont perdu leurs minds étaient morts. Dead, like zombies. What? I went back and tried to find Paul, but he was gone. And I have no idea what happened to him. On va passer par là, on est arrivé. C'est un endroit qui était assez safe. On n'a pas eu trop de problèmes à se balader. On a jamais été trop emmerdé. Oh, un zombie. Très surpris de me voir. Lui tout à l'heure on l'a pas réveillé. Il faut qu'on la fasse autant maintenant. Ah, c'est bon ça. Je suppose que les zombies n'escaladent pas les rochers, donc une fois qu'on sera là-haut, on sera déjà plus sûr. Voilà. Nickel, allez, il baisse sa tête là. Putain, ça m'énerve quand il reste 2 heures en haut. Il met un temps fou à baisser la tête. Toujours personne. Comment ça, on sont deux là. Hop. Voilà, on prend pas de dégâts. Là, oui, par contre. Ah non. D'accord, je suis bloqué par un caillou. Hop, hop. Hop, hop. Ah, là, on voit l'œil. Et par contre, en général, il pop tout ça pour pas dans le même endroit. J'avoue que c'est un peu pénible ça en France. À chaque fois que tu tapes dans l'eau, le mec disparaît et toi tu galères. Hop! On glitch un peu le jeu. Hein. Merde. Et on grimpe toi avant que te chope hein. Je suis plutôt discret avec tes affrontements inutiles. Alors, je suis pas sûr de te passer le bon endroit. Bon, allez, baisse sa tête. Oh. Tirer tout droit sur toi. Bref, on remarque. J'ai vu des corps pendant du temps que c'est des corps carbonisés. On peut prendre son bord de voir. Ce côté-là est plutôt peinard. 200 mètres, putain la vache. J'ai pas fait gaffe. Attends. Ok. Allez hop. Pas envie de me faire l'autre là. Jouer tranquille. Voilà, t'es gentil, t'as rien vu. Oh putain, il m'a fait flipper ça. Toi là-bas non plus, tu m'as pas vu. C'est mes bruits de pas à chaque fois, ils me font flipper.
Ces putains de talons, quoi. Faut pas les enlever. J'ai l'impression que les mecs qui sont torse plein de sang, enfin les skins de ce personnage, sont morts à chaque fois parce que je peux jamais les toucher. Bon, si je vois quelqu'un, je rush. J'ai vraiment pas envie de me la jouer. Kamikaze. Je ramène ces machins là. C'est stressant quand tu pars comme ça à l'aventure de loin. GG. C'est jamais très bon la flotte, c'est jamais s'il y avait un truc qui va sortir de l'eau au dernier moment. Je suis un peu stressant. On fait une chorégraphie. Allez, je ramène ça. Very good. Voilà. Give me a moment and I'll electrify those fences. This is for you. I think I know a way to improve our defenses. Parce qu'on va donner, mais à part mon mot d'éclair. Je suis un peu vif. Pourquoi 30 mètres là? Ah oui, d'accord, c'est ma quête principale. I wonder about how much Harlow knows about this island, about what's going on. Listen, we need to talk. Ouais, on pourra plus tard. Maybe there's something in here. Je vais essayer dans ma compétence, tiens, je peux améliorer quelque chose. Est-ce que je peux améliorer mon inventaire? Enfin, pas mon inventaire, mais ma jeu de. Fusée meilleure, j'ai plus de rage, d'accord. C'est vrai, c'est tout qui est furie, donc c'est pas trop grave. C'est quoi ça? Allez! Ah! Attaque sautée avec des armes à lame provoque des dégâts supplémentaires. Ok. J'en ai fait une magie critique, ok, fait une grande attaque puissante tout en sprintant. Augmente la durée de l'hémorragie, augmente les chances d'un coup critique avec les armes à lame. Augmente la durée de l'effet de poisson, d'accord. Ça c'est quoi ça? Tuer fait gagner de l'endurance. Ça peut être vraiment pas mal par contre. Augmente le taux de régénération de l'endurance, ça aussi. Après savoir que sur le premier. Enfin, avant une mise à jour qui est arrivée tard dans le jeu quand même, les coups de pied ne faisaient pas perdre d'endurance. Donc du coup, on était jamais en danger au final parce qu'on donnait des coups de pied, on les renversait, on les éclatait la tête. Même si on était attaqué vers plusieurs, on pouvait quand même balancer des coups de pied en tous les sens et se débrouiller pour récupérer assez d'endurance pour après pouvoir foutre des coups d'armes létales. Donc c'est pour ça que je me suis jamais trop occupé de l'endurance au départ parce que finalement on n'était jamais vraiment embêté. Frère, ce qu'on lance les victimes de moins de sanctions d'expérience supplémentaire. Diminue la pénalité lorsque vous battez avec des ennemis supérieurs à vous. 2 points de la régénération d'endurance lorsque votre santé tombe en dessous de 50. Je vais prendre la régénération plus vite quand même. Plus 15% c'est quand même pas mal. Et après je prendrai le plus 10% de gain d'endurance dès qu'on tue quelqu'un. Oui. Et une fois qu'on aura fait le tour, on recommencera, on sera niveau. Niveau 1, niveau 2, enfin on augmentera et du coup après vous voyez qu'on prend là, on. Là, non, rien du tout. Mais là, le premier niveau sera à plus 4%, le deuxième niveau à 8, plus 8, plus 12, etc. Voilà. Avant qu'on puisse le racheter, là. Je ne sais point. Bref. Oui, c'est ça que je voulais faire, non du tout, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Non, on va s'écouter les... Voilà, ça là. Bon, ça on l'avait lu. Ça c'est là qu'on reviendra. C'est chiant, pourquoi on n'a pas les sous-titres? Bon, en fait, la description en dessous de la cassette. To bite me. I ran for help, but oh, it was insane. People were screaming and fighting and crying, and this little boy, he couldn't have been more than 10, leaped on me and tried to fight me. I pushed him away, and a man
grown man chopped off his head with a machete. Oh my god. What is happening here? Some said that the people who had lost their minds were dead. Dead! Like zombies! What? I went back and tried to find Paul, but he was gone. And I have no idea what happened to him. Okay. Fondée en 1980 par un aventurier de renom mondial, Roger Dahlstrom Howard, le camp de survie Paradise, accueille des retraites d'entreprises et d'autres groupes spéciaux intéressés par du travail sur l'esprit d'équipe et les expériences d'aventure extrême. Le CSP propose des randonnées, de l'escalade, du rafting en eau douce et une formation de base à survie. On pourrait être utile ça, tiens. Le but est d'apprendre aux participants à se nourrir de ce que la nature offre et survivre dans des régions sauvages. Les bases de la survie humaine sont de trouver un abri et de se mettre en sécurité, affirme Howard. Les cadres d'entreprise modernes ont complètement oublié ce que signifie survivre en étant ingénieux. Au camp de survie, Paradise, nous mettons les dirigeants d'entreprise dans les conditions de vie les plus extrêmes possibles, puis nous leur apprenons à travailler ensemble pour survivre. Chouette. Écoutez, ça va bien vous servir, vous allez voir. Pourquoi c'est en vert ? C'est un truc rare. Je te quitte. Collection, plan. Ok, ok. C'est où ? Voilà, non, je ne sais pas où c'est. Note du docteur Kessler. Affecté, test rapide, contaminé, test lent. Amphibie, d'accord. Ouais, ça c'est pas un très important à tuer à distance, ça aide à ma feu de tête de gemme, voilà. Là c'est ce que je disais avec Mikaze, par contre ils sautent dessus, ils sont bêtes couilles. Et ils sont chiants aussi. Tandis que bon, ils vomissent un espèce de merde. Donc du coup par contre, ouais, non, il n'y a pas de point de sauvegarde, ça sauvegarde un peu automatiquement, c'est un peu chiant, parce que du coup on sait jamais trop si on a bien sauvegardé, si c'est bien parti, ou quoi, ok. Est-ce qu'on est sûr qu'on peut pas... Non. Apparemment non, on peut pas sauvegarder du tout. Donc voilà, donc on va se laisser là-dessus, et puis bah écoutez, je vais vous dire à bientôt, soit sur le let's play de Dead Island, soit sur le let's play de Saints Row 4. Voilà, sur ce, amusez-vous.